est sanctionné par le Conseil international de kickboxing, dont le représentant près de l'arène est M. Frank Babcock. Ladies and gentlemen, there is now tonight's grand finale, a 12-round bout under the jurisdiction of the Montreal Athletic Commission, Mr. Paul-Émile Sauvageau, President, and sanctioned by the International Kickboxing Council, represented at the ringside by Mr. Frank Babcock. Tout d'abord, dans le coin bleu, de Montréal à 155,8 livres, il est le champion canadien et 8e aspirant mondial avec un dossier de 11 victoires, une défaite et un verdict nul. In the blue corner from Montreal at 155.8 pounds, he is the Canadian champion and number 8 contender in the world. His record, 11 wins, 1 loss, 1 draw. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Sirius. Et dans le coin rouge de Dallas, Texas, à 151,2 livres, il est le champion mondial avec une fiche de 20 victoires, 2 défaites et 14 knockouts. And in the red corner from Dallas, Texas, at 151.2 pounds, he is the champion of the world with a record of 20 wins, 2 losses and 14 knockouts. Mesdames et messieurs, and gentlemen, Billy Jackson. The judges, Daniel Labelle, Jean Lapointe, Émilien Nadeau. Les juges de coup de pied kick judges, Philippe Chartier, Roger Lavoie. L'arbitre, the referee, Roy Kerbin. Un 12 round pour le championnat mondial des mi-moyens, a 12 rounder for the junior welterweight championship of the world. Eh bien, nous voilà maintenant, mesdames, messieurs, dans le coin de Ducarmel Sirius, le champion canadien. Il est de Montréal. Sa fiche est de 11 victoires, une défaite, un verdict nul, 21 ans, 5 pieds 6 pouces, 155,8 livres. Et sa commande ce soir, son défi, essayer de battre Billy Jackson, le champion mondial. Billy Jackson est un Américain. Il nous vient de Dallas, au Texas. Sa fiche, 20 triomphes, 2 revers. Aucun verdict nul, dont 14 par KO. Il a 5 pieds 6 pouces, 151,2 livres. Et pour la première fois de sa carrière professionnelle, son père à Ducarmel Sirius, Ludovic Sirius, est avec nous. Et ce sera la première fois qu'il verra son fils à l'œuvre. M. Pellerin, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on sait que ces deux boxeurs extrêmement puissants. On a Ducarmel Sirius qui a un peu moins d'expérience que Billy Jackson. Mais ils ont un baromètre entre les deux. Ils ont rencontré David Humphries et on sait que Billy Jackson a été vaincu par décision par David Humphries alors que Ducarmel Sirius a gagné contre. C'est pas nécessairement, ça ne veut pas dire qu'actuellement Ducarmel, c'est une victoire facile qui l'attend, au contraire. Mais c'est quand même un baromètre pour notre kickboxeur de Montréal. Et on devrait s'attendre, ce sont deux boxeurs, kickboxeurs puissants qui peuvent allier la force de frappe et des mains et des jambes. Et ultra athlétique, des pieds, des mains. Les mains sont bonnes. On pourrait peut-être accuser Ducarmel de ne pas frapper tellement fort. Il y a une chose qu'on doit admettre, c'est que dans le cas de Billy Jackson, il a déjà gagné une décision contre Benny Ortiz. Et c'est un champion mondial des arts martiaux. Alors là, je peux vous dire que lorsque vous êtes parvenu à battre un titre comme Billy Jackson, attention, vous venez de battre ce qu'il y a de meilleur au monde dans sa catégorie. Billy Jackson, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur au monde dans sa catégorie. Et Ducarmel Sirius, je crois qu'on verra s'il a été sous-estimé ou surestimé. On pourra vérifier ce soir. C'est à pas été surestimé. Et voyez ce qui vient d'arriver. Vous avez vu le coup de pied en rotation qui est arrivé à la nuque de son rival. Et qui est son coup de pied favori, j'en crois. Exactement. Deux très bonnes mains, un gars extrêmement sympathique. Et comme je vous dis, son père Ludovic Sirius est ici ce soir, assis dans la foule. C'est la première fois qu'il voit son fils combattre. C'est un championnat mondial, c'est un bon début. On vous salue, M. Sirius. Oui, on voit tous les deux. Les deux combattants sont calmes. Oui. Ils jouent bien leur pied d'ouverture. Et voilà. On va du premier round. Et vous essayerez de trouver le roi
dans ce premier round, vous? Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il hein? en a pas. Donc, on place un 10-10, comme on a fait tout à l'heure. On recommence. On recommence. Je dois vous dire que dans le cas de Ducarmel, tout a commencé. C'était à Ottawa en 1982. Il avait gagné une décision contre Richard Windman. Ensuite, il a battu Bernard Béliveau, il a battu Richard Windman une deuxième fois. Serge Picard, c'est-à-dire que contre Windman, je m'excuse, lorsqu'on dit qu'il y a une défaite à l'affiche de Ducarmel Sirius, ben c'était son à Ottawa en 1982, il avait été défait par ce Richard Windman et par la suite, il l'a vaincu. Alors, comme vous voyez, par la suite, des victoires par la suite. Voici. Regardez bien le fameux coup de pied, la rotation, regardez bien appliqué et quand même... Ici, on a vu toute quand même l'expérience de Billy Jackson qui a bien réagi au coup. Exact. Alors, je poursuis avec oui. Serge Picard, Sammy Hernandez, Alain Bonamy, oui. Robert Auroi, Serge Gravel, David Humphries. Et on reviendra puisque c'est le round numéro 2 du Carmel Sirius, pantalon bleu, et le champion mondial du pantalon noir. C'est la première fois au Canada, en tout cas à Montréal, qu'on fait venir un champion mondial dans cette catégorie pour affronter un local. C'est une première mondiale à Montréal. Champion du monde. Et Ducarmel, jusqu'ici, ne s'est pas senti, disons, impressionné non, par le champion mondial. Le point qu'on peut dire dans le cas de Billy Jackson, il ne s'est peut-être pas assez battu dernièrement. Il n'a pas mis peut-être assez sa course en titre à ce moment-là, en jeu. Et peut-être ça peut jouer un peu contre lui, Jean-Paul. Il ne s'est pas battu aussi souvent qu'un champion le devrait. Oh, attention! Bon coup qui a été donné, mais heureusement, Ducarmel... C'est après vous écraser, vous. Oui. Ducarmel a pu l'absorber, tout au moins absorber le coup. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est le calme et aucun des kickboxeurs ne se compromet. Exact. On est très prudent et... Eh bien, pour votre information, savez-vous combien il y a de gens ici ce soir au Centre Paul Sauvé? 4031 personnes. Et certes, M. Réal Massé, les promotions Super Action et la Brasserie Labatt vous remercie énormément. Et ça veut dire que le kickboxing est en excellente santé. Ils ont défié la tempête, Jean-Paul. Et ça veut dire aussi qu'on a déjà 12 combats prévus pour l'année prochaine. Et ça va commencer le 26 février à Québec, le 11 mars à Montréal. Et là, dans le centre du ring, ben, inutile de vous dire que ce qui se passe, deux bons acteurs. Oui, et le... gars qui ne pas se défier. C'est ça. Hop, c'est un beau crochet ici. Bien donné, hein? Oui. Rapide, ça, Ducarmel. C'est un gars sale. Oui, le respect de l'opposant est vraiment marqué. On sait qu'on ne veut pas faire de bévue parce qu'une bévue, dans le cas de ces gars-là, ça paye, ça coûte cher. Exact. Alors voilà, round numéro 2 qui vient de prendre fin. Et jusqu'ici, Ducarmel a non seulement bien tenu son bout, mais j'ai l'impression qu'il a peut-être été supérieur à son. Il a certainement démontré autant de qualité, en tout cas de kickboxer, que son rival. Monsieur Pellerin, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Dans le cas de Billy Jackson, vous voyez une jeune fille, et c'est bel et bien une jeune fille qui est là. C'est ça. Sandra Yvonne McCullough, qui est sa... dame de coin. Sa dame de coin. C'est ça, ici. Son homme de... Sa dame de coin. Oui. Sa dame, peut-être sa dame de cœur. Pas mal écrit pour un homme, ça. Je m'excuse, Monsieur Pellerin. Je pense qu'il n'y a pas que c'était un homme, j'avoue, là. Non, mais j'aurais pu me faire taxer de sexisme à ce moment-là. Il n'y a pas de sexisme. Pas du tout. Elle est dans le coin, elle sait très bien, sans le connaître son non, affaire. Non, mais de l'appeler un homme de coin, tu comprends? C'est mieux une dame de coin. Femme de coin. Oui. Peut-être serons-nous corrigés par la suite, mais pour le moment, c'est une femme de coin. Round numéro 3 du Carmel Sirius, champion canadien. Il a le pantalon bleu et Billy Jackson, champion mondial de Dallas au Texas. Il a le pantalon noir. Et jusqu'ici, aucun des deux a été en péril, en tout cas. Si vous remarquez la défensive du Carmel, on vient de voir juste précédemment cet échange. Il a bloqué les coups de pied, il a bloqué les coups de poing. Oh! Quelle belle attaque ici! Quelle rapidité, ce du Carmel, Jean. Et lorsque j'ai dit à un certain moment qu'à Montréal, peut-être le gars qui était le plus impressionnant, c'était Ducarmel Sirius. Je ne l'ai jamais vu là, réellement se placer en péril. Ducarmel 5, Jean-Paul. 5, quelque part, beaucoup à part ça. Beaucoup, ça colle, oui. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il est coupé parce qu'on ne peut pas voir présentement. Mais j'ai vu saigner, j'ai vu sang qui est tombé. J'espère que ce n'est pas au niveau des yeux. Oui, c'est du nez. C'est du nez? J'ai 5 du nez ici, actuellement. Voilà. Félicitations, M. Padrin. Vous n'avez pas de verre ou quoi que ce soit, vous? Pas encore. Jackson a des beaux coups. Vous remarquez que même hors d'équilibre, il laisse partir un coup de pied. Et ça, c'est difficile. Alors, du
Ducarmel semble-t-il incommodé. Oui, il est obligé d'ouvrir la bouche quelque peu. Oui, c'est ça. Holding, no hold. Bien avec les coups et l'arbitre, on vous le répète, hein, c'est Roy Curbin, qui vient des États-Unis. Il est de la International Kickboxing Academy. Il y a un riposte, là. Ces coups de pied-là font mal. La solide, c'est aussi. Clean. Il l'a absorbé, mais je peux vous dire que ça fait son chemin, ça. Attention, des coups de pied de cette force-là. Sirius est extrêmement dangereux avec ses coups de pied. J'ai bien aimé la déclaration de M. Babcock, qui nous disait que les... Il vient de voir ici. Ouais. Rapidité de son coup de pied arrière. Attention, bonne droite qui est déplacée ici par Ducarmel. Jackson l'a absorbé, mais jusqu'à maintenant, attention... C'est Ducarmel qui nous l'a dit. Oh! Une gauche! Et le champion mondial! Oui. Terrassé! Regardez! Et attention! Complètement perdu! Mais va-t-il se réveiller? Oui! Et voilà! Tout ça avec une gauche! Foudroyant! C'est là! Terminé, Jean-Paul! Attention! Ducarmel qui revient tout de suite! Et sauvé par la cloche! La cloche! Sauvé par la cloche! Oh! Solide coup! Et quel crochet de la gauche! Mais Joe Oldman, maintenant qui est dans le coin, on va tenter de calmer naturellement Ducarmel, mais remarquez, c'est incroyable de voir comment est-ce qu'il est calme, ce gars-là. Voici. Regardez bien ici. Une attaque ratée de la part du champion. Ici, une gauche. On n'a pas vu l'attaque précédente. Non, il était Les dégâts avaient été faits auparavant à ce coup de poing. Et Ducarmel vient de montrer ici une rapidité d'exécution qui fait qu'il est vraiment attaqué, ce gars-là. Eh bien, je pense que Billy Jackson devra maintenant y penser deux fois. Il était complètement sonné et l'UTT de son titre de champion, de grand champion et de son entraînement. Jamais il n'aurait pu se relever pour le son de la cloche. Et je vous jure que même l'arbitre y a songé deux fois avant de le laisser continuer. Et je pense qu'il savait qu'on était rendu à la fin du round. C'était si jamais, là, je suis persuadé que c'était terminé parce qu'il avait encore les yeux vitreux, comme on dit. Il n'était pas reconquis complètement toute son assurance. Alors, c'était Si on nous accuse d'être partisans, mais on accepte le blâme, oui, c'est vrai. Oui, mais on a ici une exhibition de kickboxing extraordinaire de la part superbe. De Ducarmel. Et j'ignore la fin du combat, l'issue du combat. Mais Ducarmel Sirius pourrait toujours dire que Billy Jackson... Il est allé au tapis avec une foudroyante gauche qu'il a appliquée. Et Jackson n'est pas complètement revenu des limbres. Croyez-moi. Regardez les feintes de Sirius. Sirius feint très bien. Bouquin des jambes et des bras. Ses attaques. Oh! Quelle belle kick! Attention! Encore une fois. La gauche, la droite de Ducarmel. Et attention, par exemple, il y a le champion, lui aussi, qui a joué sur une droite. Très beau aussi en même temps, l'expérience. Et une chance que Ducarmel a réussi. Et il a un gabarit un peu supérieur ici à Wilson, alors à Jackson. Jackson, oui. Mélangez pas les noms, le loup. Ah! Oh! Lomachenko! Oh, incroyable! Que la dernière fois, mais attention! Et là, il a retenu ici! Oui, il a retenu Ducarmel. Voici, est-ce que Billy Jackson pourra s'en sauver? Et attention, Ducarmel continue des deux mains, mais là, le champion est en péril! L'arbitre qui surveille très attentivement les deux mains, une gauche, une droite, par Ducarmel! Le champion! À nouveau au tapis! Est-ce qu'on va compter? Oui, on va compter! Oui, il y a chute! Deuxième chute. Regardez les jambes présentement du champion Jackson. Il est en hyper extension, c'est donc dire qu'il est encore, comme on dit, un peu gelé. Oh, un autre gauche encore. Et encore une fois, Ducarmel qui va de gauche et de droite. Et attention, le champion. Et c'est terminé. C'est terminé. On a lancé le champion. Ducarmel Sirius, champion mondial. Il est pivoyant, mesdames et messieurs. Incroyable, mesdames et messieurs. La foule ici. À l'entour de nous, la sécurité, s'il vous plaît, messieurs, parce que là, les gens sont fous de joie. Vous voyez dans le ring, Joe Oldman, Réal Massé. Et si ça vous fait rire, on va se lever debout un peu, monsieur Pedrin, parce que là, ça commence à chauffer de rue derrière nous. Certainement. Alors, nous avons une incroyable fin de combat, Jean-Paul. La sécurité, je vais vous dire que tout va très bien. Et les gens qui sont ultra heureux,
Et j'ai déjà été heureux pour un gars. J'ai vu ça avec les Hilton, j'ai vu ça avec Barry Houston. Oui. Je l'ai vécu avec d'autres. Mais je vous jure que ce petit Carmel qui a même pris la peine presque 15 minutes de jaser avec nous avant son combat calme et qui nous disait que son père serait ici pour le voir à l'œuvre pour la première fois. Ben, c'est la première fois qu'on voit un champion canadien, à l'exception naturellement de Jean-Yves Thériault, mais qui n'est pas de Montréal. Et du Carmel, lui, est montréalais et qui va battre un champion et l'a battu catégoriquement. Oui, il n'y aura pas ici des, dans les journaux, là. M. Jackson ne pourra pas dire que c'était une décision. Oh non, qui, il n'a pas été volé. Regardez, il est encore perdu présentement. Et évidemment, on porte du Carmel Sirius en raison. C'est une magnifique victoire. Et regardez la joie de du Carmel Sirius, mesdames et messieurs. Et dois-je vous dire que pour ce jeune homme, dont tout a commencé à Ottawa en 1982 contre Richard Widman, ben, je pense bien que c'est le couronnement d'une carrière incroyable. On l'avait dit auparavant, on avait une confiance inébranlable dans lui. Il avait une confiance inébranlable dans lui. Il est talentueux. C'est un homme modèle. C'est un type qui est toujours parmi les bonnes gens. Oui. Et réellement, je vais vous dire que... Inutile d'aller tenter d'aller parler avec lui sur le ring. Non. On va le faire ici. C'est un champion, Jean-Paul, qui sera certainement très dur à détrôner. Son gérant et instructeur, Joe Hodman, un excellent instructeur qui... son poulain lui démontre toutes les qualités techniques là, de kickboxer. Ce qu'on ne peut pas oublier non plus, Jean-Marie, c'est qu'au niveau kickboxing, Carmel Sirius n'est qu'un bébé. Il en est, croyez-le ou non, à son 14e combat. Alors imaginez le temps que ce gars, l'effort, l'énergie, et maintenant, soudainement, les valves qui se rouvrent et naturellement le coffre. Oui, sera fort, ça sera les efforts qu'il a mis vont se transformer en bière. Et je pense qu'on va y aller, tiens. Oui, regardez bien ici, la gauche ici, regardez bien. Ici, la gauche qui vient d'entrer avec... envoyé directement la droite à préparer. Quatre fois avec oui. Et puis, littéralement, levé les pieds et tombé au sol d'une seule pièce. Alors, j'avais dit que tout ce qui était peut-être douteux dans le cas de Carmel Sirius, c'était sa force de frappe. Et vous voyez comment est-ce que vous êtes obligé d'avaler vos paroles à l'occasion. Hein? Mais certain. Je suis tellement heureux pour lui parce que moi-même, je me posais des questions sur sa force de frappe. S'il y avait une lacune chez lui que je n'avais pas. En tout cas, je pensais que c'était une lacune. Et je me faisais un plaisir même de lui dire, parce qu'en grand champion qu'il était, il acceptait à peu près tout. Et là, de le voir terrasser quatre fois le rival, le champion mondial, avec une gauche, ça veut dire, mon cher Chartrand, tu étais dans les patins. Il y a beaucoup de puissance dans ce coup-là. On s'en va à l'annonceur maison, mesdames, messieurs. Promoteur Réal Massé, Frank Babcock, président d'International Kickboxing, pour la remise de la ceinture au gagnant. I now invite Mr. Normand Stevens, sales manager at Labatt Brewery, and promoter Réal Massé, and also Mr. Frank Babcock, president of the International Kickboxing Council, to give the belt to the winner. Le gagnant. Par arrêt de l'arbitre à 1 minute 43 du quatrième et nouveau champion mondial des mi-moyens, the winner. Referee stopping the fight at 1:43 of the fourth round and new welterweight champion of the world, Du Carmel Sirius. Et la foule, mesdames, messieurs, Du Carmel qui serait prêt à recommencer peut-être un autre combat. Regardez. Et laissez-le, si vous voulez jouir de ce moment. J'avais M. Frank Babcock qui est là, le président, general manager, c'est-à-dire directeur général de la fédération, de l'International Kickboxing Council, le Conseil international de kickboxing. Réal Massé est là. M. Normand Stevens de la brasserie Labatt. Et Jean-Paul, on doit le mentionner, c'est tellement plaisant de voir un champion comme ça. C'est un gentleman. Attendez de lui parler dans quelques instants, mon cher Pèlerin. C'est un gars que j'encourageais, moi, et que je pense qu'il est un de ceux, avec naturellement Thériault et tous les grands, là, Michel Rochette, Michel Lavallée. Mais il s'est... voilà! Je tiens à remercier tous les gens qui sont venus m'encourager ici. Puis, moi, de mon côté, je vous promets quelque chose. Tant que je serai sur la scène du kickboxing, cette ceinture mondiale-là va rester ici.
Excellent officier de relations publiques. Oui. Et encore, je tiens à remercier encore mon entraîneur, Joe Hartman. Il m'a beaucoup aidé. Et bien sûr, M. Massé ici, qui m'a donné ce combat-là. Merci beaucoup à vous. Sans lui, je ne l'aurais pas eu. Et mes deux commanditaires, Jean-François Auto et Jeune Espoir. Donc, merci à tout le monde. Et à la prochaine, je vous garantis que je vais garder cette ceinture-là ici au Canada. Merci. Ben voilà, mesdames, messieurs, tant et aussi longtemps qu'il aura cette ceinture, il a l'intention de la garder ici. On lui souhaite de tout cœur. Et tout ce qu'il y a, je pense qu'on va demander à Du Carmel de bien venir vers nous. Et je me demande si on ne devrait pas, nous, s'amener vers l'avant, si je peux trouver quelqu'un là, de la... Parce que derrière nous, ça va chauffer dans quelques instants, je vous le jure. Alors, naturellement, ça prend quelques temps. Il y a un immense fan club ici en arrière. J'ai pas le droit de voir ça ici. Et, Carmel Sirius. Une chose que je dois féliciter, c'est les agents de la sécurité du Centre Paul Sauvé qui, jusqu'ici, ont été capables de contenir cette foule. Ouais. Du Carmel Sirius qui fait l'unanimité maintenant. Tout le monde est de son côté. On voit un groupe derrière nous, ça chante. Vas-y, Du Carmel Sirius, les pancartes. Je pense que vous avez une bonne idée de ce qui se passe. Et je peux vous dire que ça va être quelque chose lorsque M. Sirius va venir à nos côtés, ce qui devrait arriver dans un instant, puisque à travers cette foule, on est capable de l'amener jusqu'à nous. Et Réal Massé, naturellement, qui est resté, lui, au centre du ring. Et les gens là, qui se lancent à droite et à gauche, étant donné qu'il y avait cette foule de plus de 4000 personnes. Et le nom magique, maintenant, devient encore une fois Du Carmel Sirius, nom magique. On le colle à côté de celui de Jean-Yves Thériault, de Don Oshino Wilson. Et qui sait, très prochainement peut-être, Michel Rochette, Michel Lavallée et peut-être d'autres, puisque le kickboxing est en ascension. M. Pellerin, vous êtes content de vous avoir joint à notre groupe de kickboxing. Oui, je suis très heureux d'avoir travaillé avec toi, Jean-Paul. Ça a été vraiment formidable. Pour une première, c'était toute une première. Ça en est. Ça a été extraordinaire. Lorsqu'on se lance d'être première. Oui. C'est un retour après les Jeux olympiques de Los Angeles. C'est tout à fait exceptionnel de se retrouver ensemble dans un combat, comme dans une carte de kickboxing comme celle-là. Exact. En tout cas, moi, c'était avec grand plaisir. Et puis, on a vu ça. Est-ce que nous sommes... Ah bon, voilà. Voici l'œil magique. Alors, mesdames, messieurs, nous attendons. Nous nous sommes levés debout. Comme vous voyez, la foule est énorme derrière nous. Mais vous pouvez voir la sécurité du Centre Paul Sauvé qui fait très, très bien son travail. Parce que je dois vous dire, c'est en...